Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'ouvrir une chambre forte avec un autre joueur. Donc bien entendu, comme l'énonce le défi, il faut être deux joueurs au minimum. Alors les emplacements des coffres, je vais vous les présenter. Donc il y en a un qui se trouve ici, voilà. Il y en a, au total il y en a 7. Hein. Il y en a un qui se trouve ici. Il y en a un autre qui se trouve plus ou moins ici normalement. Ouais, voilà, il est juste ici. En plus vous pouvez quand vous zoomez, voilà, tous les bunkers, enfin les coffres forts se ressemblent. Donc ensuite il y en a un qui se trouve ici. Ensuite, il y en a un qui se trouve ici. Donc voilà, regardez, en fait, quand vous voyez ce genre de bâtiment, ça veut dire qu'il y a un coffre-fort à côté. Donc voilà, vous pouvez les repérer directement sur la mini-carte comme ça. Alors ici, il y en a un qui se trouve ici. Et le dernier, il se trouve juste ici. Voilà, juste ici. Et c'est justement celui-là qu'on va aller. Donc là, je suis avec Valentchouin qui m'aide à faire la vidéo. Donc, grosse dédicace à mon poteau Valentchouin, la reine des chouins. Donc voilà. Et en fait, pour ouvrir le coffre, c'est très très simple. En fait, il suffit juste d'être à deux devant le coffre. Je pense qu'il n'y a même pas besoin d'appuyer sur carré, mais on va vérifier ça. Comme d'habitude, Valentin, il est au taquet, il est avant moi. C'est le boss du boss. Donc là, je pense qu'il a déjà trouvé le coffre. Effectivement, il est trop fort. Et là, regardez. Donc là, le jeu détecte qu'il n'y a qu'une seule personne. Donc là, Val, il va venir près de moi. Et là, boum, le jeu va détecter qu'il y a deux personnes. Et le coffre s'ouvre tout seul. Il n'y a même pas besoin d'appuyer sur une touche ou quoi. Par contre, il prend un petit peu de temps. Donc peut-être qu'il faut attendre 3 secondes devant, sans bouger, pour que le coffre détecte qu'on est là. Donc faites comme Valentin, il a fait. Vous mettez un petit plafond là, un petit sol. Comme ça, vous n'êtes pas dérangé par les adversaires. Et regardez à l'intérieur, ben, vous avez 3 coffres à ouvrir qui vous donne blindé de loot. Donc c'est plutôt pas mal pour ce loot en début de game. Et je pense que ça, c'est une toilette téléportatif qu'on va tester. Et effectivement, ça vous téléporte hors du bunker. Donc ça, c'est super stylé. Est-ce qu'on peut prendre le truc à l'envers? Non. Non, on ne peut pas le prendre à l'envers. En même temps, ça aurait été encore pas trop correct parce que sinon, bah, les gens seraient rentrés par là pour rentrer dans le coffre. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mike et ciao. Peace.